Colin terminait sa toilette. Il s'était enveloppé au sortir du bain d'une ample serviette de tissu bouclé dont seules ses jambes et son torse dépassaient. Il prit à l'étagère de verre le vaporisateur et pulvérisa l'huile fluide et odorante sur ses cheveux clairs. Son peigne d'ambre divisa la masse soyeuse en longs filets orange, pareil au sillon que le gai laboureur trace à l'aide d'une fourchette dans de la confiture d'abricot. Colin reposa le peigne et, s'armant du coupe-ongle, tailla en biseau les coins de ses paupières mates pour donner du mystère à son regard. Il devait recommencer souvent car elle repoussait vite. Il alluma la petite lampe du miroir grossissant et s'approchant pour vérifier l'état de son épiderme. Quelques comédons saillaient aux alentours des ailes du nez. En se voyant si laid dans le miroir grossissant, ils rentrèrent prestement sous la peau et, satisfait, Colin éteignit la lampe. Il détacha la serviette qui lui saignait les reins et passa l'un des coins entre ses doigts de pied pour absorber les dernières traces d'humidité. Dans la glace, on pouvait voir à qui il ressemblait. Le blond qui joue le rôle de Slim dans Hollywood Canteen. Il avait la tête ronde, les oreilles petites, le nez droit, le teint doré. Il souriait souvent d'un sourire de bébé et à force, cela lui avait fait venir une fossette au menton. Il était assez grand, mince, avec de longues jambes et très gentil. Le nom de Colin lui convenait à peu près. Il parlait doucement aux filles et joyeusement aux garçons. Il était presque toujours de bonne humeur. Le reste du temps, il dormait. Voilà, moi je suis Axel Beaumont, j'interprète le personnage de Colin. Et oui, sur scène, je suis seul, donc c'est une adaptation avec un acteur en scène. Et les autres personnages, comme Jonathan, ont été filmés. Lou Delage, tous les autres personnages comme Chic, Chloé, Nicolas et Alice. Donc déjà comment dire, pour revenir au tout début de la création, on part du livre, donc d'une adaptation... Qui est morcelé, comme tu disais, de puzzle. Donc moi, en tant qu'acteur, voilà. Donc déjà, on attend avec impatience cette adaptation, parce qu'on a tous en mémoire l'œuvre de Boris Vian. On en a tous des images un petit peu. Et donc là, c'était déstructurer aussi cette image par l'adaptation de Julie. En fait, elle m'a embarqué complètement dans cette histoire. Et après, il y avait l'aspect numérique aussi. Et ça, moi, j'y connaissais vraiment rien. À la quadruple croche équivaut le 16e d'unité. À la noire, l'unité. À la ronde, la quadruple unité. Lorsque l'on joue un air lent, un système de registre est mis en action de façon que la dose ne soit pas augmentée, ce qui donnerait un cocktail trop abondant. Mais la teneur en alcool... Moi, je viens de l'art théâtral, de l'art du spectacle vivant. Donc déjà, d'être rentré là-dedans, donc il a fallu quand même quelques temps que je comprenne un peu comment ça marche. Mais comment ça marche, non, c'est même pas comment ça marche. C'est déjà percevoir ce que ça va être déjà amené. Mais moi, en tant qu'acteur, voilà comment je peux vivre au milieu de tout ça. Et on passe par quand même d'une œuvre comme L'écume des jours, où déjà il y a une histoire qui est très très forte. Et déjà aussi comprendre qu'est-ce que amène aussi le numérique dans cette œuvre. Me retrouve sur scène au final tout seul, mais il y a eu tout un travail qu'on a fait en répétition et qui est vraiment comme du théâtre, quoi. Avec Jonathan, avec Lou, tout ça. On a travaillé vraiment des répétitions pendant des journées et des journées pour après filmer tout ça. Donc il fallait aussi d'une certaine façon qu'on ait le temps, je sais pas ce que tu en penses, mais de créer ensemble. Il y en a qui ont dit que c'était un seul en scène, mais c'est vrai que moi j'ai pas l'impression d'être que c'est un seul en scène. Après, tous mes partenaires ils sont figés, mais en même temps, comme on a eu ce passé, c'est passif. Ils sont en image. Là, le problème, c'est qu'eux, ils ne bougent pas. Mais moi, je bouge. Moi, je vais bouger selon mon humeur, selon mon énergie. Donc, c'est ça qui fait l'intérêt du spectacle vivant. Mais c'est ça qui était intéressant. C'est que moi, je pensais être loin de vous d'une certaine façon. Je me dis, ça y est, comme une sorte de chose morte.
Voilà, moi je suis sur scène, mais en même temps je vais jouer avec vous, mais vous n'allez rien me donner. Et au final, par ces répétitions et même par cet attachement que j'ai de l'œuvre et même de mon personnage et de vos personnages aussi, au final, en fait, je n'ai pas l'impression d'être seul sur scène, en fait. Mais jamais. À part le moment juste avant que le spectacle commence ou que tous les écrans sont éteints. Et là, j'ai l'impression d'être dans une boîte. Mais après, quand la boîte s'illumine, j'ai l'impression, voilà, de plonger dans la tête de Colin et dans l'univers de L'écume des jours et de ton adaptation, quoi. J'ai tant envie d'être amoureux. C'est pas croyable. Je suis le seul à ne pas... Ah, mais c'est quand même dégueulasse, ce sentiment de solitude. À votre avis, Nicolas, dois-je rencontrer l'âme sœur aujourd'hui? Je voudrais une âme sœur du type de votre nièce, Alice. Ah non, c'est une pensée à éviter. Alice appartient à Chic de plein droit. Je trouverai certainement une fille demain. Est-ce que Chic et Alice parlent vraiment de Jean-Saul Partre quand ils se trouvent tout seuls? Il vaut peut-être mieux aussi ne pas penser à ce qu'ils font lorsqu'ils se trouvent tout seuls. La porte claqua avec le bruit d'une main nue sur une fesse nue. Oh, je voudrais être amoureux. Tu voudrais être amoureux. Il voudrait, idem, être amoureux. Nous, vous, voudriez être. Il voudrait également tomber amoureux. Chloé avait les lèvres rouges. Les cheveux bruns, l'air heureux et sa robe n'y était pour rien. Oh, je n'oserais pas. Et puis il lâcha Alice et alla inviter Chloé. Elle le regarda. Elle riait et mit la main droite sur son épaule. Il sentait ses doigts frais sur son cou. Il réduisit l'écartement de leurs deux corps par le moyen d'un raccourcissement du biceps droit, transmis du cerveau, le long d'une paire de nerfs crâniens choisis judicieusement. Chloé le regarda encore. Elle avait les yeux bleus. Elle agita la tête pour repousser en arrière ses cheveux frisés et brillants et appliqua d'un geste ferme et déterminé sa tempe sur la joue de Colin. Chloé, vos lèvres sont douces. Vous avez un teint de fruit. Vos yeux voient comme il faut voir et votre corps me fait chaud. Il me faudra des mois pour que je me rassasisse des baisers à vous donner. Il me faudra des ans de mois pour épuiser les baisers que je veux poser sur vous, sur vos lèvres, sur vos cheveux, sur votre cou. Chloé, je voudrais sentir vos seins sur ma poitrine, mes deux mains croisées sur vous, vos bras autour de mon cou, votre peau palpitante. Il se fit un abondant silence alentour, et la majeure partie du reste du monde se mit à compter pour du beurre. Alors vous vous en allez sans avoir dansé une seule petite fois avec moi? Est-ce que tu la reverras ? Ils étaient attablés devant la dernière création de Nicolas, un courgenois. Je sais pas quoi faire. Tu sais, c'est une fille très bien élevée. La dernière fois, chez Isis, elle avait bu beaucoup de champagne. Ça lui allait très bien. Elle est très jolie. Ne fais pas cette tête-là. Songe que j'ai trouvé aujourd'hui une édition du choix préalable avant le Holker de Partre sur rouleau hygiénique non dentelé. Mais où prends-tu tout cet argent? Ça me coûte très cher, mais je peux pas m'en passer. J'ai besoin de Partre, je suis collectionneur, il me faut tout ce qu'il a fait. Mais il n'arrête pas d'en faire, il publie au moins 5 articles par semaine. Je sais bien. Comment est-ce que je pourrais revoir Chloé? C'est vrai, je te bassine avec mes histoires de Jean-Saul Partre. Je veux bien t'aider. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais c'est terrible.
Je suis à la fois désespéré et horriblement heureux. C'est très agréable d'avoir envie de quelque chose à ce point-là. Je voudrais être couché dans de l'herbe un peu rôtie, avec de la terre sèche et du soleil. Ah, tu sais, de l'herbe jaune comme de la paille et cassante, avec des tas de petites bêtes. Et de la mousse sèche aussi. On se met à plein ventre et on regarde. Il faut une haie avec des pierres et des arbres tout tordus, et des petites feuilles. Ah, ça fait un bien considérable. Et Chloé ? Et Chloé. Naturellement, Chloé. Mais Chloé dans l'idée. Ah, quand on est amoureux, on est idiot. Moi, par exemple, quand j'ai reçu, en fait, l'écume des jours, c'était assez loin dans ma tête. Mais donc, j'ai eu l'impression que dans le scénario que tu proposais, il y avait une espèce de... comme la quintessence de l'œuvre. Alors, j'espère qu'il y a peut-être des choses... le mot quintessence est peut-être un peu fort, mais toutes les étapes, on va dire, un peu importantes de ce roman. Moi, tout l'aspect, en fait, technologique qui me dépasse un petit peu, du projet, je ne l'ai pas du tout pris en compte, si ce n'est dans les répétitions, où on se disait, tiens, il va falloir anticiper sur telle les chose regards, ou telle chose, des regards, parce qu'effectivement, toi, tu te retrouves dans un présent qui va être un présent très de théâtre, et moi, je me retrouve, du coup, c'est comme si, en fait, on répétait une scène de théâtre, sauf que moi, je suis filmé, Donc en fait on l'a répété, mais après pour que après quand on va le tourner, je suis toujours hors champ moi, et c'est toi qui la caméra était sur toi. Exactement. Et fallait que le regard soit bien positionné pour que t'aies l'impression qu'on ait l'impression que tu me regardes sur scène. Ouais. Ça c'était compliqué. C'est un travail entre le cinéma, le théâtre. Donc voilà, après ça a été un peu déroutant sur quelques, je sais pas, avec un fond vert, juste c'est vraiment au millimètre près un œil ou un truc. Donc c'est assez déroutant, mais c'est assez passionnant, parce que du coup, tu pars un peu dans des nouvelles formes, en fait. Ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que ça ressemble, au final, donc avec ce que tu disais, Axel, à de la musique. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as une partition ou un livret, une fois que ça commence, ça y va. Oui. Et donc toi, ça t'oblige, en fait, à un rythme. Donc il y a une espèce de cadence où effectivement moi je ne peux pas prendre un temps puisque du coup ma temporalité sera toujours la même, et toi au niveau des questions, réponses et tout ça, et donc tu rentres quand même du coup dans un univers musical qui est du coup très proche aussi d'un univers de... enfin la musique chez Vian c'était quand même quelque chose de... donc c'est une œuvre un peu cinématographique, théâtrale, musicale, et technologique, avec beaucoup de choses qui... donc ouais, c'est hyper intéressant. Pas cette tête-là. Songe que j'ai trouvé aujourd'hui une édition du choix préalable, avant le haut-le-cœur de Partre sur rouleau hygiénique non dentelé. Si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors l'autre ne peut être que l'enfer. Chic est totalement fan de Jean-Saul Partre, donc une espèce d'addiction, et donc dans l'addiction, je trouve qu'il y a une forme de vie et de nécessité de vivre qui est assez forte. Et qui est organique, oui. Voilà, qui est assez organique, enfin, quelqu'un qui en manque, comme un drogué, quoi. Là, lui, il se shoot aux auteurs. Ça fait que c'est des êtres très... juste très vivants et très là, et... Mais voilà, mais c'est sûr, quand on fouille, c'est vrai que Boris Vian, pour le coup, il a quand même vachement d'importance, mais c'est que quand on fouille dans son œuvre, oui, on parle là de l'écume des jours, on est centré sur l'écume des jours, mais il a quand même écrit J'irai cracher sur vos tombes, ou tellement d'œuvres qui sont liées à la sensualité et même à la sexualité pour l'époque, qui allait très loin. Donc je pense que même dans tous les cas, ça transpire dans l'écume des jours, même si c'est une forme, c'est des adolescents, ils sont tout jeunes, ils découvrent, mais en même temps, c'est peut-être le moment où on est le plus, un peu comme Roméo qui veut coucher avec plein de filles. Il est amoureux de Rosalie, il est amoureux de l'amour, et après il va tomber amoureux de Juliette, mais il y a cette nécessité du corps et du contact, et même dans l'écume des jours, il y a plein de moments, L'odeur de Chloé, il en parle beaucoup, de ses cheveux, ses mains, la fraîcheur sur le cou. Il est quand même beaucoup dans... Moi, je trouve c'est très sensoriel, ce bouquin.
Et on, peut-être qu'on capte pas à 15 ans. Quoique, peut-être que ça dépend des adolescents. Il courait de toutes ses forces. Et les gens devant ses yeux s'inclinaient lentement pour tomber, comme des quilles, allongés sur le pavé, avec un clapotement mou, comme un grand carton que l'on lâche à plat. Et Colin courait, courait. L'angle aigu de l'horizon serré entre les maisons se précipitait vers lui. Sous ses pas, il faisait nuit. Une nuit d'ouate noire, amorphe et inorganique. Et le ciel était sans teinte. Un plafond, un angle aigu de plus. Il courait vers le sommet de la pyramide, arrêté au cœur par des sections de nuit moins noires. Mais il y avait encore 3 rues avant la sienne. Mais Colin ne savait pas. Il courait. Il avait peur. Pourquoi ça ne suffit pas de toujours rester ensemble? Il faut encore qu'on ait peur. Peut-être est-ce un accident? Une auto l'a écrasé? Elle serait sur son lit, je ne pourrais pas la voir. Il m'empêcherait d'entrer, mais vous croyez donc peut-être que j'ai peur de ma Chloé? Je la verrai malgré vous. Mais non, Colin, n'entre pas. Elle est peut-être blessée, seulement... Alors, il n'y aura rien du tout. Demain, nous irons ensemble au bois pour revoir le banc. J'avais sa main dans la mienne et ses cheveux près des miens, son parfum sur l'oreiller. Je prends toujours son oreiller. Nous nous battrons encore le soir. Le mien, elle le trouve trop bourré. Il reste tout rond sous sa tête et moi, je le reprends après. Il sent l'odeur de ses cheveux. Jamais plus je ne sentirai la douce odeur de ses cheveux. Oui, on reste des comédiens, des interprètes avant tout. Et même si, pour ma part, voilà, j'ai été plongé, grâce à toi, dans un univers numérique où on a rencontré tellement de gens qui viennent, des geeks, tout ça, des gens qui sont complètement là-dedans et qui ont un savoir extraordinaire, on est quand même là pour la sensualité, pour l'émotion, et on se sert que de notre corps. Et au final, le numérique est un soutien en plus, quoi, pour tout ça. Et il ne m'empêche pas, au final... dans cette pièce, peut-être de jouer une histoire. Voilà, tout simplement.